au moins. Ah, c'est vrai. أو أنكم تحبون هذا النوع من الأكل؟ هذا عسل 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 Là, tu as des autres. Qu'est-ce que ça vous fait walker? Des autres. De quoi on prépare? Avec quoi on prépare les. Les fruits. Les fruits. Les fruits. Et là, il y a un petit peu de temps à faire. Vous avez vu le gazon? Ou le lait, le salon de PC? Ou mon arasat? Arrière. Donc, il y a un petit peu de temps à faire. Donc, il y a un petit peu La plupart du temps, où vous passez votre temps? Le temps libre. Le temps libre. Il y a des gens qui ont fait des choses qui ont بحيث ان السمنه تعتبر مرض من امراض العصر ما معنى السمنه بالفرنسيه لو بي زي تي لو بي زي تي غريد ولا رقيق غريد غنشوفوا هاد السيده سفيان قرا لنا شنو هو السمنة هي زيادة وزن الجسم عن حده الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه وهذا التراكم ناتج عن عدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام والطاقة المستهلكة في الجسم. نعم إذا الغذاء كيفاش تتوقع السمنة الوبيزيتا تكون عندنا قلة الحرارة فمتحركوش بزاف وفين بالسبور وتناكلو واحد الكمية كبيرة وهاد الغذاء اللي تناكلو تيكون فيه كثرة من الدهون الدهون سيدي بحال اللحم مثلا بحال الفخيت بحال الثمنه اذا هنا تيوقع واحد زياده الجسم ما تيقدرش ما محتاجش كاع لهذاك الغذاء فهمنا اذا وما تنمارسوش الرياضه اذا منين كتجينا السمنه هذه ربي يطلعك شنو تحب عدم الحركه بور اتر اوبيل شنو تسمي On ne bouge pas, hein, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Plus, est-ce qu'on mange? On mange beaucoup de la viande. On mange beaucoup? Non, la matière grasse, d'ornière, c'est-à-dire les lipides. Où on trouve des lipides? C'est quand on les lipides. Ben, donnez vite à quoi? Le beurre, le poisson, les frites. Je m'appelle Younes Zghari, je suis professeur des écoles. J'enseigne dans une école dont les enfants sont de tranche âge de 6 à 12 ans. Mon école, c'est Abdallah ibn Yassine, de la commune de Ain Aouda, de la province de Sriraat Témara. La question de l'alimentation, pour moi, est un sujet, comment dirais-je, important. Pourquoi ? Parce que je vois de plus en plus que les coutumes marocaines culinaires sont en disparition pour des coutumes qui sont importées, soit de l'Europe, soit de l'Amérique. Et je vois que le temps passé entre familles, dans les repas, en mangeant, dans le dîner, est en train de se minimiser pour des repas qui sont rapides ou bien des prises qui sont dans des restos ou bien des fast-food. Donc je suis membre de Slow Food Maroc, je suis
aussi dans le bureau exécutif de Slow Food Maroc. Et nous travaillons beaucoup sur cette question. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'on peut changer le monde via l'alimentation et via l'éducation aux enfants. Donc on s'intéresse beaucoup aux enfants, aux petits-enfants, parce que nous pensons que lorsque les coutumes et lorsque les habitudes sont établies, c'est un peu difficile à les faire changer. C'est pourquoi on vise les petits-enfants qui sont en train de, comment dirais-je, d'acquérir leurs habitudes alimentaires. Tout ce travail, on le fait via des ateliers, via des discussions et via des animations qu'on fait dans les écoles. D'accord. Donc, est-ce que tu peux parler de ce que vous faites autour du jardinage, de l'éducation à l'environnement ? D'accord. Donc, nous avons commencé l'élaboration du sujet de l'alimentation en pensant à faire un jardin dans notre école. Pourquoi un jardin ? Parce que on dispose d'un outil pratique dans le lieu, donc on n'a pas besoin vraiment d'aller trop loin pour voir, pour toucher, pour semer, pour planter, pour arroser. Donc c'est un outil pratique qui nous permet d'aborder plusieurs sujets. Par exemple, nous avons pu parler de l'agriculture durable. Ça veut dire, nous avons expliqué aux enfants qu'on peut produire assez d'aliments et de denrées alimentaires tout en respectant l'environnement. Donc c'est un équilibre qu'il faut garder. Il faut travailler la terre, lui donner tous les nutriments dont il a besoin, mais en pratiquant des pratiques qui sont agroécologiques. Ça veut dire qu'on essaie quand même d'émietter la nature. C'est pourquoi nous avons fait le compost. Nous avons pensé à faire des buts sandwich, et dans le but de fertiliser la terre et de produire des aliments qui sont bons et propres et justes. Et quelle est la réaction des enfants ? En ce qui concerne la réaction des enfants, ils étaient vraiment heureux de participer à ce projet. Maintenant, on peut dire que ce sont eux le porteur de projet, ce n'est pas les enseignants, parce qu'il faut responsabiliser les enfants. Donc, ce sont eux maintenant les vrais responsables du projet. Et même la continuité du projet est basée sur le fait de transmettre ces savoirs à d'autres enfants qui sont dans les classes moins âgées, c'est ça, donc les moins âgés. Et vous leur avez parlé des aquarelles comestibles, c'est ça ? Oui, donc nous avons eu le plaisir de voir et d'apprécier le principe des incroyables comestibles. Donc nous avons eu l'occasion de parler avec les enfants et nous avons dit qu'on peut utiliser les espaces publics pour produire des légumes et des denrées alimentaires. Pourquoi tout simplement se contenter d'avoir de la beauté, mais aussi de produire des aliments dont nous avons besoin pour se nourrir et pour nourrir toute la famille. Donc c'était une expérience assez enrichissante. Et surtout lorsqu'on parle des semences, que nous devons garder nos semences, nous devons garder la main sur nos semences et ne pas être dépendant des multinationales qui vendent des semences qui sont traitées, des semences qui ont date limitée d'utilisation. Donc, Incroyable Comestible nous apprend beaucoup sur le fait d'avoir un banque de semences chez toi. Donc ce sont des semences, des terroirs qu'on peut garder. Et pour penser qu'on pourra
se libérer de certaines contraintes dans l'avenir. Parce que si on n'a pas besoin vraiment d'aller chercher des semences chez quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'on a quand même un support pour la sécurité alimentaire dans la famille, dans la commune et dans nos villes. Nous pensons que via le jardin, nous avons pu élaborer plusieurs ateliers. Donc, nous avons commencé par faire rêver les enfants d'un monde meilleur, où la santé est mise en valeur, donc dont l'alimentation est propre. Et on n'utilise même pas de pesticides, des intrants. Qui nuit non seulement à la terre, mais qui nuit aussi à la santé des enfants. Donc, nous avons aussi des ateliers concernant l'éducation sensorielle. Donc, nous avons appris aux enfants à prendre du plaisir à voir, à toucher, à goûter leur aliment, mais aussi nous avons fait un atelier, c'est un fruit à la récréation, donc où les enfants ont amené des fruits pour la récréation au lieu des aliments qui sont... des aliments qui sont achetés et qui sont préparés avec l'agroalimentaire, comme le chocolat, comme les barres chocolatées. Donc notre prophète nous a dit que nous sommes des gens que nous devons manger que si nous avons faim et que nous ne devons pas manger ce qu'à avoir l'estomac plein. Et si c'est faisable, donc on doit garder un tiers pour l'alimentation, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air. Dans un autre dicton, il dit que l'estomac, c'est l'origine de toute maladie du corps humain. Donc il faut veiller à ce que nous mangeons soit sain et bénéfique pour la santé. Je peux le dire en arabe? Oui. Ça veut dire que l'estomac, c'est l'origine de toute maladie qui touche l'organisme humain. Si on fait des exposés sur un thème, par exemple, aujourd'hui, nous avons pu suivre un exposé qui s'intitule « L'alimentation saine ». Donc nous avons pu parler de l'aliment comme un sujet important pour la santé des enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent manger? On a pu parler de la pyramide alimentaire, expliquer aux enfants qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne alimentation, mais aussi de faire des activités physiques, du sport, donc, et de faire attention à ce qu'on mange, parce que les denrées, ça s'accumule quand même, donc on a besoin de manger divers aliments et non pas un seul type d'aliments. Aussi, nous avons mis l'accent sur l'activité physique parce qu'on voit rarement les enfants font des sports parce qu'ils passent toujours beaucoup de temps devant la télé avec des jeux sur le PlayStation et tout, donc ils ont de moins en moins d'activités physiques. Donc, comme vous avez pu constater, ils étaient contents d'apprendre et de participer et de découvrir ces informations qui sont indispensables pour eux, pour la continuation durant la jeunesse et aussi pour avoir de la bonne santé. Et d'ailleurs, tu disais que depuis que vous faites toutes ces activités, ils avaient plus de plaisir à apprendre, tout ça.
Oui, je pense que les activités de jardinage et tous ces ateliers autour de l'alimentation ont donné envie aux enfants, les a motivés pour venir en classe. Donc ça a créé un enthousiasme, une satisfaction personnelle, un sentiment de satisfaction personnelle chez les enfants. Donc on voit maintenant qu'ils sont... Ils sont ravis, ils sont heureux de sortir, de faire d'arroser, d'entretenir les plantes, de veiller à ce que les plantes aient vraiment les soins dont ils ont besoin. Donc même on l'utilise comme un moteur de motivation pour les inciter à travailler plus, à faire les devoirs à la maison et être, à jour. Donc, c'est très important. Le jardinage nous a offert quand même de bons élèves en classe parce qu'ils sont heureux de sortir et de faire des séances de jardinage. Donc, ils nous disent aux enfants que c'est pour les meilleurs élèves qui vont sortir, qui vont faire ces ateliers. Donc ces activités ont des retombées non seulement sur les élèves, mais sur leur famille, aussi sur la commune, sur tout l'entourage de l'école. Nous avons pu faire un atelier sur l'alimentation équilibré, et nous avons invité les parents d'élèves, les gens qui habitent à côté de l'école, et nous avons aussi pu faire venir une caravane médicale pour les familles des élèves. Donc on essaie quand même de donner plus pour les retombées de ces activités, pour s'assurer quand même que le concept et les principes visés soient acquis au-delà des élèves, donc dans la région et dans la commune de Aïn Aouda, où se trouve notre école. Bon, je veux dire que je m'inspire vraiment de cette histoire des colibris, qui a fait tout pour aider, pour faire sa part de responsabilité. Mais malheureusement, je dis malheureusement, même les gens qui font leur devoir vont subir les conséquences de ceux qui ne font rien du tout. Donc c'est pour ça que je dis que lorsque nous vivons dans la même société, je crois que tout le monde devrait faire sa part de responsabilité. Parce que cela, s'il ne le fait pas, c'est la société qui va perdre. C'est pas lui tout seul. Donc il faut travailler là-dessus, il faut faire comprendre aux gens que sa part de responsabilité n'est pas facultatif, il n'est pas seulement basé sur son choix, mais c'est un choix d'ensemble. Donc nous devons travailler ensemble pour un avenir meilleur. C'est pas pour nous, mais c'est pour les générations futur, mais c'est aussi pour la terre nourricière, parce que Dieu sait que la planète d'ici 2050 aura 9 milliards à nourrir. Donc c'est à nous de penser et de réfléchir comment peut-on le faire sans conséquences pour notre terre et pour la santé des générations futures. Et est-ce que les enfants le comprennent bien ? Oui, je crois que les enfants le comprennent bien et suivent aussi, parce que
On voit lors des discussions qui sont à la récréation, on voit lors des discussions qui sont dans les classes, qu'il adhère vraiment au principe et qu'il pense aussi qu'il peut faire quelque chose. Avec ces petits gestes, je l'appelle des petits gestes, mais vraiment, ce sont des gestes qui vont sauver le monde, qui ont des retombées bénéfiques pour notre terre, pour les générations qui vont venir. Je suis optimiste. Je pense qu'on pourra sauver notre terre et qu'on pourra dire aux générations futures que nous avons beaucoup fait pour votre avenir et que cette prise de conscience n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un regain d'intérêt à la terre et aux principes fondamentaux de notre pensée. Agissons aujourd'hui pour un avenir meilleur pour nos générations. Donc, je crois que c'est à nous de planifier le futur pour notre génération et d'assurer que la terre pourra produire de plus en plus d'aliments qui sont propres et سخن القطر على الأزهار الماء تحول.